Vous regardez RTL. 6 minutes pour trancher. 8h25, bonjour Céline Gondouin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes médecin depuis 6 ans, installé dans le Diois, dans le département de la Drôme depuis un an. Avec la fermeture de la maternité de Die, c'est à vous, médecin, correspondant SAMU, que devrait revenir la tâche de faire accoucher les femmes de la région et de gérer ces urgences. La fermeture de la maternité met-elle en danger, selon vous, ces futures mamans ? Alors, en fait, c'est pas tout à fait ça. Nous, on fait partie du dispositif palliatif, entre guillemets, de fermeture de la maternité de Die. Ça veut dire que si jamais il y a des urgences, effectivement, d'accouchement à domicile ou de situations liées au fait que le transport va être prolongé, on va intervenir en première ligne, en tant que médecin correspondant SAMU. Oui. Voilà, cette situation, en fait, elle est engendrée par la fermeture de notre maternité. Mais vous êtes formé aux accouchements, et plus précisément aux accouchements d'urgence ? Alors, on est formé par notre formation médicale aux accouchements en général. Après, notre formation de médecin correspondant SAMU nous a pas formé spécifiquement aux accouchements d'urgence, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Du coup, on se sent effectivement un petit peu démunis s'il y a des situations problématiques qui se déroulent sur notre territoire. Ça veut dire que vous ne vous sentez pas en capacité d'assumer des accouchements dits d'urgence, ou en tout cas des accouchements où il y aurait des difficultés, je vous ai bien compris ? Voilà, en fait, voilà, tout ce qui va être accouchement avec éventuellement des risques hémorragiques, ou un accouchement ou des problèmes avec le nouveau-né qui ne s'adapte pas à la vie extra-utérine, on pense qu'il y aura des difficultés. Alors c'est vrai que ça a été anticipé par l'ARS avec la proposition d'emmener les femmes du Diwa quelques jours avant leur terme sur Valence. Enfin voilà, il y a ces mesures mises en place, mais pour nous, en fait, elles ne résolvent pas la problématique. Clairement, est-ce que vous menacez de quitter le SAMU aujourd'hui ? Alors en fait, on menace d'arrêter notre rôle de médecin correspondant SAMU. Nous, en fait, on est avant tout médecin généraliste, médecin de montagne, investi dans ce rôle-là, qui nous prend beaucoup de temps. Mais le médecin correspondant SAMU, ça s'est rajouté une nouvelle casquette depuis 2 ans qui nous permet d'être équipé et formé pour gérer des urgences sur nos territoires. En fait, on a ce rôle-là quand on est à plus de 30 minutes de 30 minutes de route pour une équipe médicale du SAMU pour intervenir sur place. Vous l'avez compris, notre liaison est vraiment de très mauvaise qualité. Excusez-moi de vous interrompre, Céline Gondouin. Vous avez compris aussi que ces médecins sont inquiets de devoir intervenir dans l'urgence, j'ai bien dit dans l'urgence, pour ces accouchements dans la région de Die. Nous y reviendrons bien entendu dans nos différentes éditions. Et je vous prie de nous excuser pour la qualité de cette liaison avec ce téléphone qui n'était pas à la hauteur de nos espérances. Dans quelques instants, les essentiels de l'actualité sur RTL. Nous serons avec Isabelle Choquet. Très bonne journée à l'écoute de la Première Radio de France.